Si tu veux payer tes cartes PSN et Xbox Live moins cher, va dans la description de la vidéo et clique sur le lien Press Start. C'est un site sécurisé à tarif réduit qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu FIFA 20. Dans cette vidéo, vous allez avoir mon ressenti pour avoir joué avec le joueur de légende Pelé à 95 de notre général. Et wow, une dinguerie le joueur, vous allez voir, franchement c'était exceptionnel, que ce soit dans les placements, ses mouvements, l'agilité, la finition. Bref, le joueur était extrêmement complet. Certains avaient pu me voir émerveillé en live sur ma chaîne Twitch en jouant avec, en compagnie de l'ancien. Parce que oui, comme vous le savez, à présent tous mes lives sont sur ma chaîne Twitch. Cette semaine on a joué deux fois à PES, deux fois à FIFA 20, il y avait une très bonne ambiance. Donc si tu ne m'as toujours pas follow sur ma chaîne Twitch, eh bien je t'invite à le faire, le lien est dans la description de cette vidéo. Et encore un gros merci à tous ceux qui se sont sub à ma chaîne, merci à vous, vous me donnez énormément de force et ça me fait extrêmement plaisir. Je tiens également à vous annoncer que très prochainement sur ma chaîne YouTube, il va y avoir des vidéos critiques, des points positifs et négatifs de FIFA 20 et PES 2020, parce que croyez-moi, il y a pas mal de choses à raconter. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater. Enfin bref, passons à présent au contenu principal de cette vidéo avec le joueur icône Pelé, note à 95, extraordinaire. Je me suis vraiment régalé. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ça commence à être dur là. Ah bah voilà. Eh bah voilà, c'est ça qu'on veut. Il est venu. Alors. Ah, ils sont pelés l'enfoiré. Voilà. Ah ah. Pelé 95 le gars. Bah c'est ça qu'on veut voir là. Ah, ah. Allez vas-y. Ça, ça fait plaise. Ah, ah. Voilà, le gros lien en plus avec Diggs. Bah voilà, la team commence à ressembler à quelque chose. Ah ouais, tu peux mettre Neymar à gauche direct. Bah oui, du coup, hop, Neymar à gauche. Voilà, lien vert. Voilà. Là, on a Giggs, du coup, qui est MG. Bah, c'est bien, il pourra même rentrer en cours de match. Et bah voilà, Puyol. Comme ça, il va nous faire le lien avec Van Dijk. Non, mais attends, regarde, on va faire ça. Et puis, on va mettre Puyol à la place de Van Dijk. Voilà. Alors. Alors. Voilà. Alors. Propre. Alors. Propre. Ça partait pas bien et puis ça propre. Finit bien. Très propre. Hein. Ah là c'est propre les gars. Ah ouais, c'est une belle team. Centre collectif 187, c'est une belle draft. Alors. 187 la draft. Ça partait mal, ça finit bien. Propre. Propre. Belle draft. Franchement, chapeau. Bien sûr, chapeau. On est pas mal. Ah ouais, il y a quand même trois légendes. Et puis Pelé, Giggs, Puyol. Trois légendes, les mecs. Giggs, Puyol et l'ultime. 187, Pelé. En début du jeu, le jeu n'est pas sorti, tu fais une draft à 187, c'est propre. Je pense que c'est pas mal. Allez, vas-y, frérot. Allez. Bon, les gars, je vous rappelle qu'on sort sur 4 victoires. Ah ouais. Ouais. Allez, ça commence, le mec bon, il a va. Quand même. Ah, il a ça là. Ah ouais, il a deux flèches. Il a ça là. Il a un bon gardien et puis il a Van Dijk. Ça là et ça n'est. Ouais, c'est une belle team. 186. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez les gars, tout ça avec ce merci soir. Pour les follow, le Kun. Merci. Regarde donc ton jeu. Ouais, c'est l'ancien qui va gérer un peu. Voilà les gars. Oula. Ah ouais, lui il tacle et glissé. Bonne défense les gars. Voilà. Et attention, joue pas trop vite. Hein. T'es sur le 20, hein. T'es plus sur le 19. Hein. Regarde comme j'ai fait tout à l'heure. Petite passe tranquille. Voilà. Il l'a compris le petit Elin, t'inquiète. Je dis pas les petits 1-2, c'est fracassant. Oh, bien joué. 1-2. Oh là là, bien joué. Ah, dommage. Oh, c'était bien joué. Boum. Alors. Voilà les gars. Comment ça se passe là? Il est où Pelé là? Purée, la frappe qu'il a mis. Ah bah de ouf. Ah puis Pelé, il n'y a pas de blague. Pied gauche. Il a une frappe qui est plutôt très intéressante. Pied gauche, pas de problème. Hein. Pas. J'aime bien la défense. Là, c'est vraiment toi qui gères la défense. Bah oui. Quoi. Tu peux pas laisser genre et puis attendre là-haut. C'est mort, c'est fini. Oh là là. Là sur l'autre. Hein. Oh le pied. Voilà. Alors, comment ça se passe? On l'a vu le gardien sortir là. 2-0. Allô?
C'était pas mal, là, on l'a vu, hop, boum, tranquillement. Petite passe d'école, tranquille. Pelé, c'est un monstre. Hein. Oh. On va prendre le temps. Alors, c'est comment le triplé, là? C'est comment le triplé, là, les gars? On est bien, là. On est bien dans cette draft. Qu'est-ce qu'il est fort, Pelé. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Pelé, les gars. Waouh. Eh, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh là là, magnifique. Merci, les gars. Merci. Eh, franchement, Pelé. Oh là 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 là. 3-0, les gars. GG, merci, les gars. Ah, Pelé, c'est un monstre. On la terminera en live, les gars. Ne vous inquiétez pas. Eh, la défense, j'ai trop bien compris. Franchement, c'est nickel, la défense. C'est vraiment manuel, c'est cool. Allez, ça part, ça part, ça part. On l'a vu là-bas. Et c'est le 4-0, les gars. Alors ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah parce que ça y est, ce jeu est fait pour moi, les gars. Pelé quadruplé, c'est un monstre, c'est un monstre. Quadruplé de Pelé, les gars. Il me le faut dans ma team. Il me le faut. Ah non, mais c'est la machine de guerre. Ah, c'est la machine de guerre. C'est la machine de guerre, Pelé. Il frappe, il marque, il y a des appels qu'il fait, mais oh, la vitesse aussi. Il est content, il est trop heureux, vous connaissez pas, vous connaissez pas, là, il est heureux dans sa tête, on il est jubile. Bien, regarde, il jubile. 6 tirs, 6 cadrés, 4 buts, ça c'est tirs. Propre, c'est ça qu'on veut voir. Soso survole le match, bah oui, il est en hélicoptère, bordel, il voit tout avant tout le monde. Ah, bien, bien, voilà, bien, ça, vous avez vu la défense, les gars, vous avez vu, ça, ça fait plaisir. T'attends, bah là, oh, bah, Pelé, là, il va mystifier tout le monde. Regardez Neymar, regardez l'appel de Neymar. Deuxième poteau. Oh là 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 là. 5-1, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Voilà. Purée. Je l'avais dit, Neymar, les gars. Il était, il pouvait rien faire, le mec. On l'a bien vu. Eh, Pelé, Neymar. GG, merci pour les GG, les gars. 5-1. Voilà. 5-1. Ben oui, monsieur. Ben, alors là. Ben oui, monsieur. Ah, il va devenir chaud, le Soso. Hein. Regardez, les gars. Traîner, regardez, il temporise, bien, propre. Faut prendre son temps, ça n'a rien à voir. C'est clair. Ça n'a rien à voir. Non, mais parce que là, c'est bon, en fait, il n'y a pas de dinguerie. En fait, j'arrive à avoir la maîtrise de ce que je fais. Chose que je n'arrivais pas à ressentir sur FIFA 19. Pour là, l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, après, il faudra avoir les mises à jour. Faut mais pas, pour faut, l'instant. Pas de grosses mises à jour, quoi. Mais c'est bien, tu vois, je me jette pas, je le suis. Ah bah. Lui au milieu, hop, je l'ai suivi. Parfait, l'autre, parfait. Hop voilà. Là, ah, voilà. Ça fait plaisir. Ça, c'est de la défense qu'on en aime. Purée, il n'y avait pas cette défense sur le 19. Même dans PES, hein, quand il gagne, il est heureux. Ils font tous ça. Mais ça marche ça. Plus, ça c'est fini. Sur FIFA 19, ça, les gars. Ça, c'est un aveu d'impuissance, les gars. Je sente, au petit bonheur, la chance. Mais ça, c'est fini, ça. Heureusement, maintenant, les gens, voilà. Ils sont plus récompensés avec ces trucs-là. Et c'est tant mieux. C'est ça qu'on demande dans un jeu, là. Alors, vas-y, là, tu vas au bout, là. Oh là là. Fais-lui une feinte. Oh là là. Oh là là. Tu t'es encore fait... Mais quoi, je me suis fait quoi? Boum! Alors, je me suis fait quoi? On lui a mis le râteau et merci pour le follow. 6-1. On lui met le râteau. Allez, ça dégage. Alors? Alors? Alors, regarde, boum! Hop! Je veux Neymar dans mon équipe. Ah ouais, moi aussi, je le veux. Je veux Neymar, je veux Mbappé. Je le veux. Et je veux... Le veux. Bah, du coup, c'est Pelé que je veux, en fait. Pelé, c'est un monstre. Et je veux 4 buts. 4 buts, Pelé. Hein. Regarde Saul. 9-3. Il a fait un tap de ouf. Pelé, 10. Messi 9, Neymar 9,6, Puyol 8,4. Tu vois, tu peux jouer avec un mec pas très grand. Bah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu de. Arthur Vidal, franchement, ouais, Vidal, il a 8. Mais, hey, Vidal. Vidal, il fait du taf. Je l'ai en plus dans mon club. Moi, bah oui, je l'ai vendu. Moi, je l'ai bradé. Ah non, moi, je crois que je vais le garder. Hey, il m'a fait un taf de ouf. Ah, c'était propre, hein, voilà, les stats. J'ai fait 10 tirs, 9 cadrés, 6 buts. Du coup, ça met Sofiane en confiance quand même. Là, il est... bon, voilà. Faut garder ta draft pour demain. Bah ouais, on terminera demain. Bah demain, tu verras. Bah oui. Ah bah là, oui, j'ai vu comment t'es parti. Oui, je vais venir. Voilà. Si c'est un Puyol propre... Ouais, mais même Puyol, c'est un joueur, je regardais Puyol. Même pas. Genre, en fait... je me suis dit, si je le pack, je le dégage direct. Là, si je le pack, non, je le dégage pas. Franchement, il était super chaud. Eh ouais, parce que maintenant, les centres, ça passe plus. Donc là, un Puyol, ça change tout, les gars. Ah bah oui. Avec le placement et tout, la passion passe après les priorités, les gars. C'est ça. Ciao tout le monde. Ciao, les gars. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.